Nommé par décret numéro 2030 du 8 octobre 2020, le délégué du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Issa Hissène Mohamed, a été installé officiellement par le secrétaire général de la province de Wadaï. Dans son mot d'installation, le secrétaire général de la province de Wadaï, Mahmoud Mohamed Saleh Hayar, a souligné que cette délégation est un secteur pourvoyeur d'emplois dans la réalisation de la vision 2030 du Tchad que nous voulons, prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Il a demandé au nouveau délégué d'exécuter toutes les missions et de rendre compte de toutes les activités à son ministère de tutelle. Mahmoud Mohamed Saleh Hayar a enfin demandé au nouveau délégué de collaborer avec les responsables administratifs, civils et militaires de la place pour la bonne marche de la délégation. Dans son mot de remerciement, le délégué du développement touristique, de la culture et de l'artisanat du Wadaï, Issa Hissène Mohamed, a remercié les hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personnes en les nommant à la tête de cette délégation. La province du Wadaï a des talents dans les différentes disciplines culturelles et artisanales, a-t-il ajouté. Issa Hissène Mohamed a plaidé enfin pour l'élaboration d'un plan stratégique de développement et de la promotion du secteur avec l'appui de l'Office national de promotion du tourisme et de l'artisanat ONPTA et la société d'exploitation hôtelière afin de promouvoir l'art et la culture dans la province du Wadaï.